Fais une jolie bulle. Jolie bulle. Bon, c'est nul. Voilà. Salut, toi, salut. Ça te dirait qu'on fornique? Oui. Bon, hop là, sans déconner, aujourd'hui, on est venu pour faire une review du mini M16 de chez Cybergun. Donc, le voici. Hein. Attention, c'est un monstre. Bien évidemment, c'est ironique. Donc, c'est une réplique que les mineurs ont le droit de posséder, car sa puissance est de 0,7 joules. Donc, 0,07 joules, pardon. Veuillez m'en excuser. Donc, comme je disais, cette réplique peut être utilisée par des mineurs. Voilà. La longueur, c'est 307 mm. Le poids fait 313 grammes. Donc, c'est une matière full ABS. Hein, donc, il n'y a rien du tout en métal là-dedans, à part les piles. Voilà. donc, le mode de tir, il n'y a pas de mode de tir, c'est full auto. Il n'y a que ça. Donc, c'est simple. Le sélecteur de tir, justement, c'est la sécurité. Donc, on le tourne et là, on peut tirer. Voilà. Et malheureusement, si on ne le tourne pas, on ne peut pas tirer. Donc, ça, c'est pour les droitiers, vu que le pouce vient comme ceci, le pouce actionne la sécurité et l'index peut tirer. Mais malheureusement, c'est pas prévu pour les gauchers. Donc, franchement, je trouve ça vraiment, vraiment presque honteux. Hein. C'est ce que c'est pour les enfants, tout le monde a le droit de s'amuser. Hein. Voilà. Donc, que full auto, hein. Il n'y a pas de coup par coup. Donc au niveau du chargeur, donc le chargeur est factice, hein, on ne peut pas l'enlever, hein, c'est mort. C'est au niveau de cette trappe là, donc au-dessus de la réplique ici. Donc on a simplement besoin d'ouvrir ici, on ouvre. Et la capacité du récipient, c'est 65 billes. Donc voilà. au niveau des piles, donc enfin ouais, l'alimentation, c'est 4 piles. Donc ici, on peut en dessous, on tire la petite languette. Hop, ça ouvre la petite trappe, on ouvre la petite trappe et il y a les 4 piles avec les trucs. Faut pas se gourer hein, parce que celui-là il va celui-là là et ceux de derrière ils vont derrière. Parce que moi je me suis gouré la dernière fois. Voilà. Donc on ferme et on remet le clips correctement. Donc au niveau du système de visée, il est inexistant. Donc il y a le front side, même pas avec deux pointes, il n'y a rien du tout. Et derrière il y a que chi, à part le récipient. Donc voilà, c'est peut-être un peu décevant quand même. Hein, quand même. Donc voilà, c'est un mini M16 pour les enfants. Hein. Il faut quand même porter le port de lunettes obligatoire hein, pour même jouer avec ce type de réplique. Hein, c'est très 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 important. Voilà. Le test de tir va suivre, merci. Donc voilà le test de tir du mini M16. Donc il est vraiment très très impressionnant. Hein. C'est une belle bête. Hein. C'est vraiment super lourd, énormissime. Vraiment extraordinaire. Donc voilà. Donc bit 0,20. Comme j'ai dit avant, on n'oublie pas les lunettes pour les mettre. Parce que ça reste quand même relativement dangereux. Pas dangereux, on se comprend. Donc on actionne la sécurité avec le pouce. Voilà. Et on appuie sur la gâchette. Je sais pas si ma collègue peut venir à côté de moi, si vous allez pouvoir voir les billes. C'est extrêmement impressionnant, quoi. Wouhou ! Enfin voilà, donc là je tire en 0,20, donc en 0,12 grammes, je pense que ça va quand même beaucoup plus loin. Hein. Donc comme je disais avant, c'est une réplique extrêmement impressionnante, extrêmement pratique. Donc voilà, en tout cas c'est fun pour ça peut être très fun pour les enfants, même pour les parents hein, d'ailleurs, pour tout le monde hein. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma franchement vidéo. Entre toi et moi, j'ai quand même fait des efforts, non? Je me suis rasé, je me suis fait beau, je me suis teint les cheveux pour toi, like ma vidéo.